Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on reprend notre petite partie où on est en train de leur mettre sur la gueule à tous. Paf, paye tes stack wipe. Hop, bataille d'Hambourg. Ok, on a fini. Là, bon, on a une armée qui fait ça. Une armée qui est là, on va l'envoyer. Vig. Bataille de Riga. Oh putain, on a stack wipé toutes les armées ennemies, quoi. Qu'est-ce qu'il reste en armée en face? 16 000, qui c'est qui a le plus? C'est les Knights qu'on a et Aachen. Aachen, on va leur tomber sur le groin. On va leur mettre un leader. Bon, il n'y en a pas qui est disponible. Bon, on va les défoncer, je pense. Et les Knights, ils vont arriver par en bas. Donc, on envoie. J'ai pas une armée qui traîne? Bon, les Knights, on les laissera faire. Bataille de Rostock, on a défoncé ce qui traînait. Enfin ça, notre prochain jouet, ça va être... Est-ce que Aachen était électeur? Ah, si on pouvait se retrouver électeur. Lui, le pape, ça me dit quoi? Les taxes. On prend. Oh, Manuel s'occupe de Schleswig. Bonne nouvelle. Donc, on va aller s'occuper ça. Là, on est plutôt pas mal. Bailon. L'Autriche. Ben, ça aurait été plaisir, mais là, je suis occupé. J'ai même pas regardé ce que c'était que la guerre de l'Autriche. L'Autriche, c'est quoi? Oh, bah, mettez-vous sur la gueule. Et l'Autriche, hop, diplomatie, on va améliorer les relations. C'est deux fois que je te lâche dans ta guerre contre l'autre. Mais je suis un tout petit peu occupé, tu vois. Et non, je serais venu, mais là, honnêtement, ça le fait moyen. Aachen, est-ce que Aachen est un électeur? Si Aachen est un électeur, ça peut le faire. Non, par contre, Hambourg. Hambourg va voter pour moi. Aachen est terminé. Et on le dégage. Aachen. Aachen, je veux de toi. Force religion, voire réparation, toutes tes thunes. Pas bien notre proposition, mais... Ok, ils ont accepté mon offre de paix. Ils se convertissent. Ils deviennent catholiques. Putain, l'empereur va lui donner un droit de vote. Je pense. Donc lui... On va le ramener à Non, lui, on va le ramener ici, à Notek. On a plus besoin de lui pour la guerre. Ah, il est là. Ah, ben, il va aller là. On va là. Ouais. On va là-bas, et ensuite là-bas. Voilà. Bismarck, Notek. Non, pas la Notek, on va aller par là-bas, par Yelisan. Non, même pas. Upgrod. Ladoga. Honnête. Le siège de Hambourg est terminé. Ça, c'est une putain de nouvelle qui en est bien. Hambourg, diplomatie, support peace. Que Hambourg, hein. Hambourg, Commonwealth vassal. Toutes tes thunes. Et bim!
un électeur dans la poche de papa. Donc Hambourg, diplomatie. Ah bah merde. Hambourg. Improve relation. Voilà. Ouais, ça c'est qu'il est pas content. Mais si vous regardez maintenant le Saint-Empire, ouais, Hambourg, non, je vote pas pour toi encore. Lui, ça viendra, t'inquiète pas. Thomas Wells of Nordiland, lui. On le rapatrie par là-bas. Le Rostock est terminé. Ok, bonne nouvelle ça aussi. Lui, on le rapatrie à Stade. Non, on va prendre un peu de corruption. Venise, bien sûr, tu peux passer. Le siège de Lübeck est terminé. Ok, Lübeck. Ouais, l'Autriche. Ouais. Lübeck. Non. Est-ce que Schleswig, Lübeck et le Danemark? Non. Ah non, non. Bismarck et Rostock. Schleswig, on va donner à Brême. Ça va, Brême. Lübeck. Non, Lübeck. Que. Non, tu veux pas être mon vassal. Je vais donner Schleswig. Midland, Nordiland. Bah tiens, ouais, tu en as tout ça. Et une. Et des réparations de guerre. Voilà! Merde le con, je vais pas les prendre moi. Bon bah c'est pas grave, je les ai. Ok. On va mettre ça là-bas. Ici, ça on démobilise le fort. Ensuite, on va faire les conversions religieuses en premier lieu. Ok. Nordiland, on en fait un corps. Voilà. Les technologies, le militaire, non. On va plutôt prendre à ce moment une idée militaire. Une force plus de 33%. Très bien. Ensuite, nos armées qui se déplacent, c'est là, il reste plus que l'autre abruti à Riga. Voilà. On attend le siège de Riga. Là, je vous dirais, je pense... Diplomatie... Oh putain, pourquoi plus 17? Ouais. Voilà, on a nos territoires là-haut. Donc là, on va passer en mode entretien de l'armée. Alors, pas loin de Chi, on le met par là. Voilà. Ouais. Comment ça t'aimes pas ce que j'ai fait? Je comprends pas. ensuite. Bon parce que je fais plein de trucs en même temps, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Le siège de Riga, il dit quoi? Il dit, on est terminé, donc Riga comme là-bas. Ah, Riga, je me rends, je me rends! Oui, je sais que tu te rends. Lâche, traître. Traître à la cause. Je veux de toi. Réparation de guerre. C'est une. Voilà, merci Riga. Ok, super.
Donc ça, on ramène là-bas. Administratif, on... En 191... Ok, si on a quoi? On a le temps. Ottoman. Oh, le problème c'est que là l'Autriche a un tout petit peu défoncé le cul quoi. Mais une guerre. Je lui déclarais la guerre. Ah la France, pourquoi il viendrait pas la Suède? Une réputation diplomatique de merde. Donc on va tout de suite, on va un petit peu se détendre. La Suède. Ah ouais, je comprends qu'il m'aime pas trop là. L'entretien de l'armée, on va partir en entretien minimum, pas loin du minimum, mais bon, pas loin. Voilà, dans ces eaux-là. La Suède nous fait un don. Ouais. Oui, gentil, cool. Les missionnaires et missionnaries, on en compte Corée, donc ça c'est bon signe. L'Autriche, est-ce que tu veux que je te rejoigne? École. Là-bas, Hambourg. Diplomatie. On va lui envoyer un cadeau. On va lui envoyer un don. Oh l'enculé, putain, faut lui envoyer 200. Voilà. Moins 17. Ok, l'Autriche. Allez, viens. Offer Alliance. Pourquoi tu veux pas? Ouais, bon. Les déshonorés. Est-ce que... L'Ottoman diplomatie. Est-ce que je peux lui dire Enforce Peace avec l'Autriche? Non, pourquoi? Parce qu'il y a l'Autriche même pas aussi. Bon, bah c'est pas grave. Là, ils se mettent bien sur la gueule. Le problème, c'est si on regarde, c'est la Bohème est alliée avec qui? Avec Ottoman, Bourgogne et Savoie. Ici, hop, que je regarde un truc là. Hambourg et Brême. Diplomatie. Annexé. Combien j'ai de répu? Ouf, moins 4,66. Annexé de Sud. Ah ouais, République. Ah ouais, réputation sabotée. Ouf. Pour extension, légitimité. Ah oui, d'accord. On est plutôt pas mal. Enfin, on est plutôt mal. On est en train de missionnariser. Mission à raison. Hambourg, tu vois toujours pas pour moi, espèce d'enculé? Pourquoi il vote pas pour moi, Hambourg? Comment ça? Est-ce que l'eau... Qui voudrait me trouver? Est-ce Venise et Grand Great Horde? Est-ce Venise? La S. Ouais. Et, la... et Venise? Ouais, la S. Diplomatie. Non, pas Minster. La S. Offer Alliance, non. Offer combien de Thierry? Un unité maximum. Ah ouais, j'en ai un peu trop, là. Un unité. 1-2. Lui, on va leur donner mon meilleur général. Et nous disons donc à l'AS, tu es où? L'AS, diplomatie. Offert coin de Thierry. 8-4-8 avec le général.
Bon, je me suis fait casser le cul, mais ça c'est pas grave. Comme d'habitude, hein, c'est les 20 premiers centimètres qui font mal. Oh là 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 là, putain, mais je vais vraiment aller en taule, moi, être con comme ça. Conversion successful, bonne nouvelle. Donc là, hop, on fait un corps. Zwiz. Comme il se faut défoncer ma femme. Je regarde un truc là vite fait. Urban, c'est quoi? Ah non, on va s'occuper de Riazan en premier lieu. Urban, c'est quoi? C'est un sujet de l'Ottoman. Et Riazan, c'est quoi? C'est un allié. Il va où lui? Il va à Lublin. Bon, on va l'interpréter à Lublin. Voilà, ça pue, si elle souhaite se même insulter. Oucha. Ah, je suis con. Il va où lui? La brillance, on va l'interpréter. Oh, Novgorod, cool. Novgorod. Remove Novgorod from the map. Novgorod, t'es allié avec qui? Pas d'allié. Soul good. On va se mettre là, on va faire le petit siège. En attrition. Voilà. Voilà. Ok. On fait notre petit siège tranquillement. Production efficiency. Force par mois, ouais, on va prendre ça. Hop, hop, hop. Ici. De voilà, lui on va aller se le faire là-bas et ensuite on se fait Riazan. Et vous avez entendu le tingling de fin d'épisode, donc voilà, on va s'arrêter là. Moi je vous dis donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde!